Salut tout le monde, c'est Akari, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série sur Rust. Cette fois-ci, vous savez que j'aime les jeux de survie et cette fois-ci, je vous propose du Rust, tout simplement, sur PS4. Donc, on est en accès anticipé sur ce jeu qui est sorti le 18. Hein, on avait le choix de précommander, il y avait déjà une bêta ouverte. Je vais vous mettre tout de suite le jeu, excusez-moi. Donc, je suis arrivé sur une île, dans un serveur privé, un serveur dédié de PS4, qui ont décidé de mettre simplement des serveurs à notre disposition. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire de serveur privé pour l'instant. On peut pas, je ne peux pas créer moi-même mon propre serveur ou bien mon propre, ma propre game privée, tout simplement parce que c'est pas encore, le jeu n'est pas encore prêt. Je pense, hein, je pense. Donc il est disponible en digital, hein. Je crois qu'il n'est pas disponible physiquement, le jeu. Donc là on visite un petit peu, je viens d'arriver sur l'île du serveur. J'ai vu en contrebas qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une maison juste à côté de mon spawn, là où je me suis réveillé, tout simplement. Ok, alors là les croix, c'est là qu'il faut taper pour pouvoir ramasser le bois. Donc mode survie les gars, on est 30, 31 dans le serveur en tout, avec moi. Bah le but c'est de survivre, hein, et là ça sera pas contre des... Pas contre l'ordinateur, ça sera tout simplement... Merde. Contre des joueurs. Contre des joueurs. On peut plus taper sur l'arbre ou pas? Ah ouais, on peut plus taper sur l'arbre. Par contre l'arbre ne disparaît pas. Ouais. Donc go. Go récupérer encore du bois. On se fera une petite maison, les gars. On va devoir aussi chasser. Chasser aussi. Donc, je connais un petit peu Rust. J'ai eu la chance de regarder quelques lives de Aikilou auparavant. En 2015-2014, il avait fait beaucoup de vidéos sur Rust. Vous connaissez le streamer Aikilou. Donc, j'étais très très fan avant de ce jeu, hein. J'étais fan des gens qui faisaient des vidéos sur ce jeu. J'ai jamais eu la chance d'y jouer puisque c'était que sur PC, hein, malheureusement. Hop. Oh, celui-là, il est plus loin à taper par contre. En tout cas, ça fait très plaisir d'être enfin sur ce jeu. Ah, si, si, il tombe. C'est juste que là-bas, j'avais pas continué. Sur celui-là, j'avais pas continué. Ok, nice. Donc on a du bois, on a assez de bois, ici il y a quelque chose. Est-ce que ça a été fouillé? Parce que voilà, vu qu'il y a des joueurs dans la map, je me demande si les trucs ont déjà été fouillés. Donc là on a un baril. Ok, attention. Radiation, radiation. Ok, c'est une zone de danger. De danger, c'est une zone de danger. Donc voilà, là ce que j'ai peur c'est de croiser un joueur en ligne. Et qui me tue, qui me viole tout simplement. Vu que je suis tout nouveau. Oh, on a un cochon ici. Zone de radiation aussi ou pas ici? Ah d'accord. Ah d'accord. Donc ok, première mort. Ok, il y aura des morts, hein. Je vous l'annonce tout de suite. Il y aura des morts. Rapparaître. Car nous sommes tout simplement des bombies. Hein. Je suis un bombie sur ce jeu. Ok, on revient au même endroit, donc je vais vous montrer aussi la maison du mec qui a construit juste à côté du spawn. Qu'il a construit ici, hein, le mec. Hein. C'est pas fait chier, quoi. Ah, est-ce qu'on peut toquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, ouvrez-moi. Bon, au moins, il a mis une serrure à l'entrée. Ça évite... Attends, je peux le casser ou pas, sa baraque? Parce que c'est du bois. Le mec qui va revenir de la chasse, il va venir, il va me mettre une flèche dans le cul et laisse tomber. Il va dire mais qui c'est ce malade qui essaye de casser ma maison là? Non, on peut pas la casser. Bon, en tout cas difficilement, peut-être. Bon, on va laisser tranquille hein, parce qu'on n'est pas là. Moi je vais pas dormir donc je suis pas là pour foutre le serveur à néant. Enfin, chercher des embrouilles. Ah, attends. Je vois quelqu'un là-bas. Est-ce que c'est un joueur? Hello, guys.
How are you? Est-ce qu'il me voit du mal, lui? Hello? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Ah d'accord, ok. Alors les mecs ici, ils se mettent sur la gueule. Ok, bah merci. Merci frérot. Merci, je te fais signe de la main. Merci. Alors là, je crois qu'il a tiré au moins 6 fois. Alors, je sais pas s'il a les balles illimitées, le mec, mais je pense que ça valait pas le coup hein, de tirer sur un quelqu'un qui était pas du tout dangereux. J'étais pas du tout dangereux, donc il allait pas me tirer dessus, clairement. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais laissé le gars partir, tout simplement. Parce que j'étais pas du tout dangereux pour lui. Ok. Donc ouais, ça montre aussi un peu la mentalité du serveur. On voit que les mecs ils ne rigolent pas. Ça doit être des Anglais tout simplement. Mais ouais, les mecs ils ne rigolent pas, ils sont pas là pour blaguer. Donc on va essayer de faire de même. Donc on va se mettre bien. Et le but bien sûr, voilà, c'est d'être comme ces gens-là, des truands tout simplement. Une personne comme eux, on va être comme eux les gars. On n'aura plus aucune pitié. Si j'en vois un et que j'ai la capacité et le pouvoir de le buter, je le bute. Voilà, on rigole pas. Et si lui, on le recroise, par contre, je me ferai un plaisir de me venger. Ça, c'est clair. Allez, let's go. Allez, casse-moi cette branche. Déjà, on a du mal à casser, à casser un arbre. Donc, on va y aller tout doucement, les gars. Donc, j'apprends, hein, j'apprends. Première fois que j'y joue. Puis je me suis pas fait, tu sais, une petite vidéo rappel, donc je suis directement lancé dans le pain. Dès que j'ai vu qu'il y avait la possibilité de jouer, j'ai direct lancé le logiciel d'enregistrement, lancé le jeu, et me voilà dedans. Donc du bois, on en a un petit peu, c'est bien. On va essayer de prendre celui-là et après, on va voir ce qu'on peut aller prendre d'autres. On va essayer de se faire aussi quelque chose pour pouvoir prendre des cailloux, de la pierre. Peut-être qu'on va pouvoir faire plus de choses avec de la pierre. Donc là, je vois plus la marque. Elle est passée où la marque? Elle a disparu. D'accord, nice. On va aller voir ici. Là, il y a une maison à côté. Ça a été construit aussi. On devrait s'entraider sur l'île. On devrait s'entraider en vrai. Donc, bien évidemment, quand on aura la possibilité de faire son propre serveur, j'inviterai le plus de monde possible sur le mien, où on se fera une petite survie, où on se mettra aussi bien dans la gueule, hein, quand ça sera possible. Ça pourrait être sympa, les gars. Est-ce que je peux casser ça? Non, je peux pas casser. Ça ne sert à rien de forcer. Quel genre de pierre je peux ramasser? Peut-être celui-là. Ah ouais, pierre. Pierre 7. Nice, 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 nice. On va pouvoir se faire des outils. On va se faire des outils. Donc ma pierre que j'ai dans la main, qui me sert de bâton et de pioche, a une durée de vie aussi. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ok, ça c'est pour taper. C'est parfait. Allez, on va prendre tout. Après, on va voir ce qu'on peut faire. Par contre, je sais pas comment on fait pour se baisser. Se baisser, tout simplement, se baisser. Comment fait-on pour se baisser, tout simplement? Ah si, c'est bon. C'est rond, si vous le savez pas. Pour se mettre accroupi, c'est rond. Donc ça va être des épisodes assez longs. Assez longs. Si ça vous intéresse de suivre mon aventure sur Rust, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et pour ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Cette chaîne va être très très active. Je vous promets du lourd pour plus tard. Quand on sera une belle petite communauté. Ah ben, j'ai. Y a quoi ici là? C'est à qui ça? Es-tu l'idée? Hé, inventaire, on a pas mal de trucs. Atelier. Attends, c'est un truc d'atelier. Ok. Là, on a une maison aussi. Bah, tu sais quoi, je vais me mettre ici à côté de lui. Je sais pas si c'est un. Je sais pas s'il va m'embêter lui.
J'aimerais pas. On va voir ce qu'on peut se crafter, les gars. Fabrication. Nice. Alors, on peut se fabriquer une hache en pierre. Ensuite, un piolet. Un piolet, ça va être utile. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Plan de construction. Ah, c'est quoi ça? Ok, je sais pas ce que c'est. On peut aussi se crafter une serrure. Ça peut être utile quand on va faire notre maison. Donc, on va le faire tout de suite. Du feu. Bah, du feu, on n'en a pas vraiment besoin maintenant. Donc, boîte de rangement non plus, on n'a pas vraiment besoin. Et ben, let's go pour se faire une maison, les gars. Ce sera toujours mieux que rester dehors. Quand on aura une maison, on aura notre propriété et on va essayer de la défendre jusqu'au bout, les gars. Ah, déjà, c'est plus rapide, hein. Ah, ouais, c'est plus rapide. Par contre, où est passé là le truc? Ah, voilà. Là, j'en ai un. On va essayer de le garder jusqu'au bout. Ah, ok, on peut pas. Putain, la croix disparaît à un moment donné, hein. La croix, on la voit plus du tout. C'est peut-être un bug du jeu, qui sait? Ou c'est... What? C'est sûrement parce qu'on peut pas détruire ces arbres. Il y a peut-être des arbres où on peut pas détruire, hein, tout simplement. Le jeu nous empêche de tout casser. Celui-là, il est compliqué. Allez, frérot. Voilà. 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 Allez, allez. Donc la serrure, elle a un temps de crafting, hein. Donc ça se crafte pas instantanément. Là, vous regardez en bas à droite, il y a écrit serrure 11 10 secondes. Donc il y a un temps. Il y a un temps pour crafter les choses. Donc serrure, ouais. J'avais oublié ça. Donc alors le plan. Ah, ok. Le plan, ça nous permettait de faire des structures. D'accord. On va se le faire où là, notre maison? Ok, on va décider ça après, hein. Pour l'instant, on n'a pas assez de matériaux nécessaires pour se faire ça. Donc, go prendre de la pierre. Parce que j'aimerais quand même faire une maison en pierre. Alors, une maison en bois, c'est pas très intéressant. J'espère que je vais pas être embêté. J'espère que des joueurs ne viendront pas m'emmerder. Parce que moi, je suis peinard dans mon coin. Je demande rien aux autres. Encore moins qu'on vienne m'emmerder. Ah, je peux rien faire ici. Donc, il y a des pierres, je peux pas ramasser. Celle-là non plus, je peux pas. D'accord, donc il y a des pierres sur l'île qui est impossible à ramasser. Celle-là, est-ce que je peux? Non. On peut pas tous, hein. Ouais, j'aurais dû regarder la couleur qu'elle avait l'autre. Peut-être qu'il y a un code couleur, tu sais. Peut-être qu'elle est plus foncée que les autres. On va aller voir eux. Peut-être eux que j'y arriverai. Non plus. Ok, nice. Jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance en fait. Celui-là, ouais, celui-là on peut. Ah ouais, celui-là il a un petit truc qui brille. Non, sinon il n'y a pas de code couleur, hein. C'est juste parce qu'elle a une lueur. Petite étoile, une genre d'étoile. Allez, allez mon ami, tu peux le faire. Et après je pense qu'on aura suffisamment de matos pour se faire notre maison. On a 1765 pierres et 815 bois. 815 de bois. Allez, on va tout de suite prendre le plan. J'ai pas envie de trop faire près de la personne qui habite là parce que si je l'embête, s'il avait prévu de faire quelque chose ici, je risque de l'embêter et rentrer tout simplement en guerre avec lui. Chose que j'ai pas très envie de faire maintenant. J'ai juste envie d'être tranquille pour l'instant. Donc on va se faire en bordure de mer. Vous savez quoi? Là on est très très bien en bas en vrai. Ici ça va être très très bien. Il n'y a personne. On est un petit peu caché. Ouais. Ici ça va être très très bien même. Ça va être parfait. Donc on va se le faire comme ça. Attendez. Voilà! Notre première structure, les gars. On peut continuer ici, bien évidemment.
Celle-là, on va la casser, cette pierre. Parce qu'elle nous embête un peu. Et puis comme ça, on va récupérer... On va récupérer de la pierre. Donc, vaut mieux pas que je meure maintenant parce que j'ai quand même farmé assez de trucs. Donc j'espère que cette série vous plaît, les gars. Il y en aura un tous les 3 jours. Il y aura un épisode de Rust tous les 3 jours. Donc c'est pour ça que les vidéos sont assez longues. Car ça ne sera pas tous les jours, les gars. Puisque bien sûr, je n'abandonne pas... Bien sûr, j'abandonne pas les projets qui sont à côté, les séries qui sont à côté, les autres séries. Comme The Last of Us, Minecraft, la série sur Minecraft. J'abandonne rien, les gars. Donc, est-ce qu'on peut faire autre chose à part ça? Donc oui, on peut faire autre chose. Tourner, hauteur, ok. Tourner, non. On peut rien se faire d'autre. Comment ça? Alors, tourner. Ok, hauteur. On peut gérer la hauteur. Attendez. Non, faut que j'arrête là. C'est trop. Je vais pas faire non plus un gros truc. Hein. Sinon, les gens ils vont vouloir venir. Ok, on reste appuyé là-dessus. D'accord. Donc, on va se faire des murs. Tout simplement. Murs. Voilà. Oh, j'adore. Ah, on peut pas ici. Dommage. C'est pas grave, ce sera la terrasse. Ah non, c'est juste que j'ai plus de bois, tout simplement. Bah tant pis, on va se faire en pierre. Ah non, faut d'abord faire en bois et après améliorer en pierre, ouais. Je crois qu'on peut pas tout de suite faire avec de la pierre. Donc let's go les gars, on va aller encore miner. On va aller miner du bois. Non, s'il te plaît, frérot, mais non! Oh, si ça va être ça, ça va être compliqué, les gars. Le mec, ça fait déjà 2 semaines qu'il joue à ce jeu, le type. Mec, t'as vu comment il est stuff? Oh, regarde-moi ça. Ah, la map, elle est comment, la map, sérieusement? Ah mais s'il te plaît, si ça va être que ça, les mecs qui vont venir me rush pour me tuer comme ça, gratuitement, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça sera pas possible même. Laissez un peu les jeunes, enfin les gens débuter à ce jeu tranquillement quoi. Enfin, laissez-les un peu découvrir le jeu quoi. Mais c'est leur le temps, par exemple. Là, tu es quelqu'un qui est pas stuff, qui est rien. C'est un peu petit, quand même. Ok, bon. Bah, c'est reparti pour commencer à zéro. Hein. Putain. Voilà, c'est ça, hein, le multijoueur. Hein. C'est le multijoueur, on peut pas les en vouloir. Les mecs, ils ont que ça à faire de leur journée. Hein. Ils jouent sur Rust, c'est pour casser des culs. Hein. Les jeunes bombies comme moi qui viennent débuter le jeu, ils les emmerdent tout simplement. Je sais pas, mais va t'attaquer à quelqu'un qui est stuff, tu vois. Va t'attaquer à quelqu'un qui peut se défendre. T'attaques pas à quelqu'un qui a une pierre dans les mains tout simplement, qui essaie de construire une baraque, quoi. Je veux juste construire une baraque, quoi. Je veux rien faire d'autre. Bref. Un jour, on va pouvoir avancer, les gars. Si il me retue, je vais essayer de rejouer sur un autre serveur. Ouais, bon, regardez. Il y a un mec en bas. On va voir ce qu'il veut faire, mais... Je sens que... Je suis en train de casser du bois pour rien, quoi. Je suis en train juste de m'emmerder, en fait. Ça m'emmerde. Parce que si on pouvait faire... ouais. Après c'est un serveur PVP. Hein. PVP est activé, les mecs ils s'en privent pas, hein. c'est normal. Après moi si j'avais été stuff comme lui,
te dis, je vois un mec qui est en train de construire sa baraque et qui est à poil avec un caillou dans les mains. Je me dis, il est pas dangereux quoi, je le laisse. Je le laisse, je le garde au coin de l'œil. Je regarde un peu son évolution, mais je le laisse tranquille, tu vois. Je le laisse tranquille. Donc là, je vais aller voir le mec là-bas. Je sais pas ce qu'il. Je vais aller voir s'il me bute. Je sais pas si c'est le vrai joueur. Merde. Est-ce qu'on peut communiquer? Ah ouais, un peu. Je suis blessé, nous sommes attaqués. Parler, batteur en traître. Battez en retraite. Je sais pas ce qu'il fait lui. Je sais pas si c'est un vrai joueur par contre lui. Parce qu'il fait une ronde depuis tout à l'heure. Non, lui c'est pas un vrai joueur. Je pense que c'est lui. Lui c'est un Benji, je pense. Ah, attendez, il y a un autre joueur à droite. Vous l'avez vu passer, on va voir ce qu'il va faire. On va se cacher, on va regarder un peu comment ça va se passer. Ah non, il va juste là-bas. Il va juste là-bas. Ok, y aller. Ouais, c'est des mecs qui sont. Ouais, ça c'est des Benji. C'est sûr. Bon, bah nous on va. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai qu'un joueur sur le phare. C'est tout. En tout cas, je suis désolé pour vous, hein, les gars. Hein. Je suis mort avec. Alors qu'on était sur le point d'avoir notre baraque. Lui, à mon avis, il s'est fait tuer aussi pendant qu'il construisait sa maison. Il y a des chances, hein. Il y a des chances que ce mec s'est fait tout simplement tuer. Sans pitié. Parce qu'il y a plusieurs baraques là. Mais les gens n'ont pas eu le temps de finir, tu vois. Des baraques, à mon avis, qui ont été abandonnées. Car la personne est morte. Sur quel serveur je suis tombé, sérieusement? Je suis tombé dans un serveur assez bizarre. Donc il y a plein de mecs en bleu hein, qui font des rondes. Pour éviter qu'on pille gratuitement les alentours. Allons chercher un endroit pour se mettre en place. Recommencer ce qu'on avait débuté. Se faire une maison en bois pour commencer. Lui aussi, hein, il a commencé sa maison, hein, vous avez vu. Elle n'est pas terminée. Hein. Il n'a pas pu la finir, hein, malheureusement. Il s'est fait buter. Là-bas, il y a un gros truc aussi. On voit pas parce que c'est flou. Pour éviter les lags. Oh! Apparemment, lui, il était déjà fini. Lui, je peux m'attaquer, ouais. Voilà. Alors, récupère du bois, les gars. On va pas être trop près non plus de ces messieurs qui nous veulent du mal aussi. C'est quoi les arbres là? Il n'y a pas de boue. Tu leur donnes un coup, ils tombent. Des gens sont déjà passés par ici pour prendre du bois. Parce que je leur donne un coup, ils tombent. Allez frérot, allez. Allez frérot. Oh. C'est désagréable de se tremper. C'est pas satisfaisant. J'entends quelqu'un à ma gauche, je sais pas si c'est un mec. Ok. Là, celui-là, on va faire celui-là et on va commencer à faire notre petite baraque. Il faut qu'on ait la possibilité de se faire une porte au moins pour se mettre à l'abri, quoi. Si je vois un mec arriver, je me planque.
Je rentre chez moi et j'essaie de lui dire laisse-moi tranquille quoi. Je brancherai mon micro pour la prochaine fois et puis j'essaierai de négocier avec la personne. Si il accepte de négocier quoi, mec, des fois, ça se trouve il a pas branché son micro ou bien tout ce qu'il veut c'est buter toute la race humaine qu'il y a sur l'île quoi. C'est facile de s'en prendre à quelqu'un qui a un caillou dans les mains. C'est facile, c'est tellement facile. Tellement simple. Bon, on a réussi à se faire quelques trucs en bois. Est-ce qu'on a un plan pour se crafter des trucs? Non, on a aucun plan. Fabrication, si. Voilà, on fabrique ça. Le plomb, on l'a dans la main. C'est génial. Non, on l'a pas. Comment ça, on l'a pas? Fabriquer. Ah ok, ça prend 16 secondes pour fabriquer. Ben, pendant ce temps-là, on va récupérer encore du bois. On va s'attaquer à cet arbre-là. Celui-là. Putain, j'ai vraiment peur de croiser quelqu'un encore. Ah bah ça va être que ça, les petits frérots. Hein. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à Rust, par rapport au début, qu'est-ce que je peux faire pour me défendre? Ce que je peux faire pour me défendre, c'est de les frapper jusqu'à qu'ils meurent. Mais bon, ils ont des flingues. La plupart des gens ici, ils ont des flingues déjà. Encore si tout le monde serait comme moi, tu as Bombi et tout. On serait au même niveau. Je dis pas, y a une chance pour moi de m'en sortir. Mais si les mecs, ils sont déjà stuff, ils ont des flingues et tout ça, c'est limite impossible. Enfin, je pense. À moins de tomber nez à nez avec un flingue par terre et que je puisse le ramasser. Ça c'est dans mes rêves, ça. Voilà. Allez. On va prendre le plomb dans les mains et on va commencer à se faire une petite baraque. Tout simplement, on va se mettre là. Pourtant, j'ai été me mettre à l'abri. À l'abri, hein. Allez, on va se faire une maison de 4. Non, de 2 sur 2. Ça suffit, je pense. Avec une entrée là. Ouais, on va se faire plus grand quand même parce que. On va se faire plus grand quand même. Ok, on a un mec en haut. Ok, c'est pas un joueur. Maintenant j'ai peur, les gars. Allez, on reste appuyé, c'est ça? Ouais, voilà. On reste appuyé. Mur! Mur! Vite! Vite, construis-moi ça. On va se faire une fenêtre en même temps. Attendez. Fenêtre. S'y habituer hein, les gars. Va s'en mettre une ici aussi. Et là ça va être l'entrée tout simplement. L'entrée avec une porte. Ici je vais mettre une fenêtre aussi. Et là également. Donc on reste appuyé comme d'hab. Mur. Et l'entrée avec la porte. Comment on fait déjà? Voilà. L'entrée, tout simplement. Ah, je me sens déjà plus en sécurité. Même si l'entrée est grande ouverte, je me sens déjà plus en sécurité. Le sol. Fondation. Fondation, toit. Non. C'est pas ce toit-là que je veux. Juste fermé en fait. C'est peut-être carré de sol? Non. Sol, tout simplement. Non plus. Qu'est-ce que ça peut être? Fondation? Non. Ah, j'entends quelqu'un. Ok, je vais mourir. Ah, c'est un Bambi! Faut que je mette le micro. M'excusez, les gars. On ira tout de suite après essayer de parler à cette personne dont on a entendu le micro parce qu'il avait le micro activé et il m'a laissé tranquille. Bon, c'est un Bambi comme moi, hein.
C'est pour ça qu'il m'a laissé tranquille. Hein. Mais est-ce qu'on peut faire une alliance pour qu'on puisse s'entraider et se défendre contre les gros de ce serveur? Donc, rendez-vous dans le prochain épisode où j'irai à la rencontre de cette personne qui est allée. À mon avis, il doit habiter ici. Peut-être, il doit habiter ici, peut-être. Donc, on va aller à la rencontre de cette personne-là, négocier avec lui, voir déjà s'il est français, etc. Et voir avec lui si on peut être. Si on peut jouer ensemble, s'entraider, quoi. Donc, rendez-vous pour le prochain épisode. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. J'essaierai de terminer aussi dans le prochain épisode notre maison qui est bien partie. Hein. On a fait quand même une grosse maison. On n'a pas fait comme eux des petites maisons qui servent à rien. Donc, let's go. Let's go. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Akari. Ciao.